يحضر معي مدرب المنتخب الوطني الماري إيري غريتس للحديث عن الأجواء التي دارت فيها مباراة اليوم الودية بين المنتخب المغربي ومنتخب بوركينا فاسو. مسيو غريتس, malgré les imprévus d'une part, la grande déception après la CAN d'une autre part, comment jugez-vous cette prestation, la prestation du groupe aujourd'hui? Moi, je crois que sans dire que tout était parfait, parce que ce n'était pas parfait, mais ça donne de l'espoir. On a dû changer quand même à la dernière minute encore l'un ou l'autre, puisqu'il y a trois ou quatre même joueurs qui ont dû abandonner et se rendre à la maison. Mais je crois que tout le monde a essayé. Tout le monde a essayé de faire le meilleur possible. En première mi-temps, il y avait un peu un problème dans notre entrejeu. On était un peu perdu dans cette configuration de jouer 4-1-2-3. Mais je crois qu'en deuxième mi-temps, on était mieux. On aurait pu marquer deux ou trois buts de plus. Je crois que dans l'ensemble, je suis content pour tous les cadres qui a été ensemble seulement pour deux jours, mais qui a montré qu'ils avaient la fierté d'être là, de porter leur maillot, et ça fait du bien. Vous attendez le premier match contre la Gambie avec impatience, avec une grande motivation, même si vous n'aurez pas la chance de regrouper le groupe avant le déplacement à Banjul. Bien, enfin mai, il y a encore une date FIFA, à mon avis le 25 ou le 26 mai, mais c'est tout de suite après, avant les deux matchs. Donc pour le reste, ce sera suivre les championnats, voir des DVD et essayer qu'à la fin de la saison, il n'y aura pas de blessés importants. Vous n'avez pas encore une idée sur l'équipe nationale des locaux? Si, on a une idée. En plus, j'ai entendu une belle nouvelle que probablement on aura une invitation pour aller jouer un tournoi sur 10 jours ou 2 semaines en juin, après nos deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Donc ce serait un régal si on pourrait faire ce tournoi, parce que ça fera du bien pour le groupe, pour se connaître mieux, pour avoir certains automatismes. Donc j'espère que ça va avoir lieu. Ça sera où le tournoi? En principe en Arabie Saoudite, comme le président m'a dit, mais ce n'est pas encore officiel. Merci beaucoup, M. Garrett.